Sois Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. J'en parlais de Jésus, l'homme de Galilée. J'en parlais de ce beau nom. La Bible déclare le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de Macron. Amen. Le nom de Jésus est annoncé dans chaque langue du monde. Amen. Et c'est ce bon nom-là qui nous a fait rassembler encore ce matin. En ce lieu. Amen. J'aime la personne de Jésus. Amen. J'aime la personne de Jésus. La première chose qui m'a flatté pour aimer ce beau nom, c'est l'expérience qu'il avait passée sur la croix. Jésus, il va être pendu sur la croix et il va crier « Père, tout est accompli ». J'aime ce cri-là. « Père, tout est accompli ». Cet accomplissement a fait que toi qui es né au bout de l'Afrique, alléluia. Amen. Toi qui es né en dehors de la France. Toi qui es né au Cameroun. Toi qui es né au Congo, peu importe du pays où tu es né. Mais aujourd'hui, tu te retrouves en France avec une nationalité européenne. Avec une nationalité française. Alléluia. Amen. My God. Ce n'était pas par ta propre force. Alléluia. Amen. Ce n'était pas que ton père a dû parler au gouvernement français que tu puisses avoir des papiers pour vivre dans ce pays. Mais je voudrais dire à une personne, c'est par rapport au pied de Jésus. Amen. Bien aimé, logiquement parlant, logiquement regardant les choses, c'est impossible qu'un noir puisse avoir une identité européenne. C'est possible. C'est possible. Mais nous obtenons des papiers, peu importe de papiers que je peux avoir dans ce pays, c'est par rapport au cri que Jésus avait déclaré sur la croix. Père, tout est accompli. Amen. Et cela a produit en nous la grâce de Dieu. Et nous vivons que par sa grâce. Amen. Et sa grâce a fait que tu puisses avoir tout ce que tu possèdes dans ce pays. Une maison. Un travail, une voiture, des enfants, tout ce que nous contemplons, tout ce que nous l'avons parce que Jésus, sur la croix, avait crié Père, tout est accompli. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer ce bonheur? Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer Jésus de Nazareth? Moi, je l'appelle l'homme de Galilée. Amen. Il est Seigneur. Alléluia. Amen. On va rentrer rapidement dans la parole de Dieu. Pour ceux qui ont le livre, ouvrons le livre de Luc. Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15. Le thème de ce message, nous rentrons toujours dans le thème du mois. Retourne à la maison. Retourne à la maison. Si quelqu'un peut le faire, bien sûr. Luc chapitre 15, verset 11, au 19e verset. Je lis la parole de Dieu. Amen. Luc chapitre 15, verset 11 à 19. Amen. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans des champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père,
J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Amen. Moi, Seigneur. Amen. Ma soeur, tu vas encore lire 2 Samuel, verset 9 à 13. 2 Samuel. Samuel, tu vas faire Samuel. Chapitre 9, verset 1 à 13. Samuel, il a fait 8, Samuel, en 2 Samuel, chapitre 13, et verset. Non, 2 Samuel, chapitre 9. 1 à 13. 2 Samuel, chapitre 9, 1 à 13. Je lis la parole de Dieu. Amen. 2 Samuel, chapitre 9, verset 1 à 13. David dit. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Siba ? » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ? » Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Maquis, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maquis, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un de ses fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ma soeur, vous allez encore nous enchaîner encore la parole dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Jean 10, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 10, verset 9. Le voleur ne vient que pour dérober. Non. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. 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 Prenez place au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Dans le livre de Luc, chapitre 15, on nous parle de fils prodige. Le fils prodige était un enfant qui était né dans une famille riche. Cet enfant, son père, était riche, énormément riche. Mais en grandissant, cet enfant, un jour, il va déclarer sa part auprès de son père. Il va dire, papa, je veux que tu puisses me bénir. Donne-moi une part à moi et que je parle. Le père avait deux enfants. Et le plus jeune, c'est lui qui va venir auprès de son père pour demander son part. Il dit encore, un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, donc le plus jeune, il vient auprès de son papa pour déclarer quelque part sa part à lui. Le père n'hésite pas à lui bénir. Le père, il prend une fois de plus de choses importantes, des veaux, beaucoup d'argent, il donne à cet enfant. Le père, il bénit cet enfant. Mais l'enfant, après avoir obtenu la bénédiction de son père, et la Bible nous dit, on le sait, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. L'enfant, il reçoit la bénédiction de son père. Mais au lieu de rester auprès de son père, mais il va s'éloigner de son père. Et qu'est-ce qui va arriver? Et après cet éloignement, l'enfant, il va dépenser. L'enfant, il va perdre tout ce que son père lui avait donné. Quand j'étais en train de méditer sur ce passage, l'Esprit de Dieu me montre les enfants de Dieu aujourd'hui, y compris moi-même, y compris toi qui es en train de m'écouter. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu vis dans ce pays. Et là, ils contemplent la beauté de la France. Et ils se réjouissent de ce pays. Mais quand nous allons loin de Dieu, quand nous partons loin de Dieu, quand nous négligeons Dieu, bien aimé, il y a une négativité qui t'attend quelque part. Il y a l'échec qui t'attend quelque part. Alléluia. Amen. Le fils, l'enfant prodige, il comprenait et il savait, il voyait la grande richesse que son père possédait. Il n'y avait pas la famille dans la maison. Cet enfant dans sa vie, en condition, il était tout heureux. Il dit que mon père a beaucoup d'argent. Mon père est riche. Je suis bien. Mais il va aller demander à son père sa part. L'enfant prodige, il reçoit sa part. Après avoir obtenu sa part, il tourne le dos vers son père. Il part loin de son père. Il part loin de son père. Mais quand il va laisser sa maison, entre-temps, il va aller se retrouver avec des païens, avec des gens qui ne comprenaient pas comment cet enfant avait eu son argent. Et il s'est plongé dans le péché. Et il commençait une fois de plus à vivre le bien dont son père lui avait donné. Mais après un certain temps, l'enfant, il va tout dépenser, tout ce qu'il avait reçu de son père. Et à la fin, il devient un mendiant. Même pour manger, il n'arrivait plus encore à voir quoi y en manger. Et après un certain moment, il commençait à pleurer.
qu'il y avait une souffrance. Il y avait un moment là où les difficultés étaient rentrées dans sa vie. Et il commençait à prier. Mais un jour, il dit, dans la maison de mon père, même les serviteurs de mon père, ils ont à manger. Et des belles choses à manger. Ils se revêtissent très bien, normalement. Non, il faut que je me retourne auprès de mon père. Amen. Il faut que j'aille chez mon père. Amen. Il faut que j'aille dans la maison de mon père. Amen. Parce qu'il commençait tout simplement à pleurer. Et il commençait à regretter. Et sa vie était carrément venue dégueulasse. Regrettable. Il dit qu'il faut que je retourne auprès de mon père. Bien le Seigneur. Étant, dans le verset 17, il dit, étant rentrant en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Mais pourquoi je meurs de faim? Pourquoi je meurs de faim? Je dois repartir auprès de mon père. Bien dans le Seigneur, il y a beaucoup de enfants de Dieu qui vivent dans les difficultés, dans les échecs, quand nous abandonnons Dieu. Quand nous laissons Dieu, quand nous tournons le dos vers Dieu, le père de cet enfant, il nous présente Dieu. Regardez, quand l'enfant prodige, après avoir à comprendre que dans la maison de mon père, même les ouvriers avaient de la nourriture en abondance, il dit, il faut que je reparte auprès de mon père. Mais quand il était revenu auprès de son père, regardons comment papa va réagir auprès de son fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 18. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Ça, c'est l'enfant qui dit à son papa. Parce qu'il avait compris comment il avait passé la vie loin de son père. Malgré les biens qu'il avait, malgré l'héritage qu'il avait obtenu, après avoir dépensé toutes choses, il y avait une négativité qui était frappée à sa vie. Mais il pense, il dit, faut que je repars vers mon père. Bien aimé, quand nous venons vers Dieu et quand nous péchons vers Dieu, ne nous hésitons pas à revenir auprès de mon père. Amen. Dieu est ton père. Amen. Dieu te connaît mieux que toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut te bénir. Alléluia. Amen. Beaucoup de enfants de Dieu qui obtiennent la bénédiction de Dieu. Dieu te bénit et à un certain moment tu tournes le dos vers Dieu. Mais Dieu t'attend quelque part. Dieu t'attend quelque part. L'enfant prodige, après avoir obtenu la bénédiction, il va fouler cela au pied. Mais il y avait une négativité qui était arrivée dans sa vie. Mais le Père était là. Le père attendait l'enfant avec ses bras levés. Et quand l'enfant était venu auprès de son père, le père, il va créer un festin en faveur de cet enfant. Dans le livre de 2 Samuel qu'on a lu, il y avait un enfant qui était né dans le palais royal autour de Saoul, à savoir Mephibosheth. Les Philistins étaient rentrés dans le pays. Et le pays était ravagé par les Philistins. Et au moment où le pays combattait dans la guerre, la mère de Mephibosheth, il va prendre l'enfant, elle va mettre l'enfant au dos. Au moment où elle courait, elle va faire un faux pas, elle va tomber, et le pied de l'enfant était cassé. C'était le fils de Jonathan. Et Jonathan était le fils de Saoul. Donc Mephibosheth était né dans le palais royal. Et quand les Philistins avaient ravagé le pays, Mephibosheth, il s'est retrouvé à l'autre départ. Chez Maquis.
tout-puissant. Et il va une fois de plus enlever Saoul dans le palais royal. Et Dieu va placer David comme roi en Israël. Bien-aimé, au moment où Mephibosheth grandissait, David est une fois de plus à la royauté, c'est lui qui dirige maintenant Jérusalem. Tout Israël. Et Mephibosheth, il compte dans l'échec. Deux pieds cassés, il était infirme. Donc, pour manger, Mephibosheth, il avait des problèmes. Il fallait que Mika puisse aller à son père pour demander à manger et il va apporter à manger à Mephibosheth. La vie de Mephibosheth était difficile. Mais un jour, le Dieu Tout-Puissant, il va toucher le corps de David. Et David va demander à ses serviteurs, est-ce qu'il reste encore quelqu'un dans la maison de Saoul que je lui fasse du bien à cause de Dieu? David avait un serviteur au nom de Tiba. Et Tiba, il dit au roi, oui, il y a un certain Mephibosheth qui vit à Lo-Deba. Le départ, un lieu d'échec. Le départ, c'est la négativité. Mephibosheth, durant tout le temps qu'il avait resté, à le départ, il pleurait. Mais un fils du roi, or en Israël, il y avait une loi. Si le roi a un fils, après sa mort, c'est le fils qui doit prendre la tête de ce pays, c'est le fils qui doit être roi. Plus une vision de royauté en lui. Parce que Mephibosheth était le fils de Jonathan. Donc, après la mort de Saoul, en réalité, c'est Jonathan qui devait être roi. Et après la mort de Jonathan, c'était Mephibosheth qui devait passer comme roi en Israël. Mais comme Saoul était éloigné de Dieu, et Dieu va écarter Saoul, Dieu va permettre que Saoul soit tué, et Dieu va élever David dans le pays d'Israël. David étant roi, dans sa royauté, il se réjouait, il se retrouvait. Mais un jour, Dieu touche le cœur de David. David, il pose la question à ses serviteurs, est-ce qu'il reste encore quelqu'un dans la maison de Saoul que je lui fasse du bien à cause de Dieu? Et Tiba répond, oui, je connais un certain Mephibosheth. Et le roi dit, il est où? Et Tiba répond au roi, il est à Lo-Deba, chez Maki. Et le roi va ordonner l'armée royale pour aller chercher Mephibosheth. Là où je me trouvais à Lo-Deba. Bien-aimé, quand on s'éloigne de Dieu, c'est bien. C'est bien. Mais attends-toi à une négativité qui va t'arriver. La Bible dit, si Dieu ne bénit pas, car celui qui bénit, il bénira en vain. Celui qui bénit, il bénira son vin. Beaucoup de gens, avant de venir ici en France, ils priaient là où ils étaient, en Afrique, je ne sais pas où. Ils priaient, ils cherchaient Dieu. Ils cherchaient Dieu. Venez m'excuser, moi je suis d'origine congolaise. Mais j'ai obtenu la nationalité italienne. Moi je suis italien. Mais par la grâce de Dieu. Vous savez pourquoi? En 2001, je me convertis en Italie. Je me convertis. Je devenais un enfant de Dieu. Mais j'avais toujours une vie de gauche. Et en Italie, c'était difficile pour que le gouvernement italien puisse obtenir la nationalité à un Africain. Mais en 2005, j'avais plongé ma vie dans la parole de Dieu. J'ai commencé à mener ma vie selon la parole de Dieu. Amen. Et j'avais compris un verset dans la Bible
Ma soeur, tu peux nous lire ce verset-là? Puissance chapitre 2, verset 8. Là où vous êtes même. Puissance 2, verset 8. Ah, somme, ok. Puissance 2, somme. Somme 2, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Somme 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Amen. Demande-moi et je te donnerai des nations comme héritage. J'avais compris ce verset. Je dis, Seigneur, ta parole me dit, demande-moi et tu vas me donner des nations pour héritage. Père, je te demande cette nation. Je veux devenir un Italien. Et je le crois à ta parole. Amen. Ta parole me dit, demande-moi et tu me donneras des nations en héritage. Amen. Moi, je suis noir. Tu nais au Congo. Mais Dieu tout puissant, tu me dis, demande-moi. Je te demande. Je veux devenir un citoyen de ce pays. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à demander à Dieu que je sois un Italien. 2 mois bien après, je vais recevoir une convocation de la préfecture. De me dire que durant tout le temps que je suis resté en Italie, et le gouvernement italien a décidé de me donner la nationalité. Amen. Et la vérité est proche. Je me posais des questions. Est-ce que ça c'est Dieu qui agit ou c'est pas Dieu? Mais la réponse était, c'était Dieu qui avait agi. Amen. Parce que je lui avais demandé et lui il avait dit dans sa parole, demande-moi et je te donnerai des maisons pour l'État. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est comme l'enfant prodige. L'enfant il demande à son père les biens que lui fallait. Et le père n'hésite pas à lui bénir. Le père lui donne ce que l'enfant avait besoin. Mais quand l'enfant avait obtenu les biens qui revenaient auprès de son père, il va s'éloigner de son père. Il va aller plus loin. Or, quand on parle plus loin, on oublie celui qui t'a dit. Alléluia. Amen. On oublie. Et quand on oublie, le diable fait quoi? Il vient, il rentre et il s'impose sur ta vie. Alléluia. Amen. Et quand le diable t'impose dans ta vie, il t'amène dans la négativité. Il t'amène dans l'échec. Il t'amène dans les pleurs. Alléluia. Et il t'amène dans le regret. Tu commences à regretter. Mais quand on regrette, on fait quoi? On revient auprès de ton Père. Celui qui t'a créé. Alléluia. Amen. Mephibosheth, il était là en train de pleurer. On s'est posé des questions. Demain, comment va être ma vie? Dommage pour lui, les deux pieds étaient cassés. L'enfant était boiteux. Il y avait de l'échec en lui. Il ne pouvait pas aller de l'avant. Mais il priait à Dieu. Que Dieu puissant lui fasse grâce. Que Dieu puisse lui visiter. Amen. Et la Bible déclare, un jour, le roi David, il va se lever. Il va demander à ses serviteurs, est-ce qu'il reste encore quelqu'un dans la maison de Saoul que je lui fasse du bien à cause de Dieu? Et Tiba, il va se lever. Tiba, il dit que non, oui, il y a un certain Mephibosheth. Il est à l'au-delà. Et le roi, il va obtenir, il va dire aux gens, à son armée, d'aller une fois de plus à l'au-delà, d'aller chercher Mephibosheth. Mais quelque chose de tombe. Comme Mephibosheth va être ramené dans le palais, là où il était né, David
il vient, il dit à Mephibosheth, Mephibosheth, il répond, oui, mon roi. Mephibosheth, il était dérangé dans sa connaissance. Il dit, wow, pourquoi je me retourne dans le palais royal? Je veux être tué. Je veux être peut-être lapidé. Mais le roi dit à Mephibosheth, à partir d'aujourd'hui, tu vas manger à ma table. Amen. Tu vas manger à ma table. Amen. Désormais, tu vas vivre avec moi dans le palais royal. Bien dans le Seigneur, il y a que Dieu qui est capable de restaurer. Il y a que Dieu qui est capable de changer ta situation. Amen. Ta vie. Amen. Mais ce matin, je veux te dire, tu es comme Mephibosheth. Tu es comme l'enfant prodige. Après avoir dépensé les biens qu'il avait, malgré l'échec, pensons à revenir auprès de Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous bénir. Il n'y a que Dieu qui est capable de te protéger. Amen. La France peut bénir quelqu'un. Le gouvernement peut te donner des papiers pour vivre, pour avoir un boulot, pour avoir une maison. Mais le gouvernement français ne peut pas te protéger à la mort. Le gouvernement français ne peut pas te protéger dans l'échec. Celui qui est capable de nous bénir, il n'y a que notre Dieu. Amen. Il n'y a que notre Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans le Jean chapitre 10, au verset 9, il dit, je suis la porte de vie. Si quelqu'un vient par moi, il va rentrer. Et il sortira. Jésus est le maître de nos vies. Amen. Si nous sommes dans ce pays, c'est à cause de Jésus, son amour infiniment. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la vie éternelle en Jésus. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Sans lui, on est zéro. Alléluia. Amen. Sans lui, on est zéro. L'homme prodige, il part avec ses biens. Il va contempler tout ce qu'il avait. Il croyait que c'était une meilleure vie. Mais bien après, il avait perdu tout ce qu'il avait. Mais il avait réfléchi, on lui dit, dans la maison de mon père, même ses ouvriers, ils ont la nourriture en avance. Pourquoi j'en souffre? Non, je vais repartir vers mon père. Et je sais, si je pars vers mon père ne pourra jamais me rejoindre. Amen. Et effectivement, quand l'enfant était arrivé auprès de son père, le père il fait quoi? Il va embrasser l'enfant. Il dit, mon fils, je croyais que tu étais mort. Mais ma joie est que je t'ai revu encore en vie. Amen. C'est ça qui se passe aussi au cœur de notre Dieu. Quand nous partons pour aller faire ce que nous pensons qui est bien, qui est meilleur en dehors de Dieu, mais Dieu nous attend quelque part. Dieu nous attend quelque part. Et quand nous partons faire une vie sans Dieu, bien-aimé, on le veuille ou pas, tu vas aller embrasser les chiens. Et tu vas commencer à pleurer. Mais n'hésite pas de revenir auprès de Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu qui obtient ta bénédiction. Amen. C'est Dieu qui est capable de te bénir. Amen. Voilà pourquoi nous avons des églises. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans la perdition. Plein des enfants de Dieu qui pleurent, mais ils n'ont pas la force ou le courage de revenir auprès de Dieu. Mais Dieu nous attend quelque part. Amen.
toi qui es perdu, je t'apprends par la main du Seigneur. Reviens vers Dieu. Amen. Reviens vers Dieu. Reviens vers Dieu. Amen. Quand on revient vers Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de gloire, il nous protège et il nous rebénit encore davantage. Amen. Alléluia. Amen. Il nous rebénit davantage. Amen. Dieu ne laisse pas ses enfants. Et Dieu ne rejette non plus ses enfants. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est créé par lui-même. Et nous sommes des créatures de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais si nous pleurons en dehors de Dieu, on va finalement vivre l'échec. Et il y aura que la mort auprès de nous. Les enfants de Dieu, tu peux mourir corporellement, mais ton esprit, ton âme ne mourra jamais. Amen. Parce que Jésus-Christ, il dit aux apôtres, je vais vers mon Père pour préparer une place. Car dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je vois ta place dans la maison de Dieu. Amen. Je vois ta place dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu as une place dans la maison de Dieu, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. MPP, nous avons une place. Amen. Dans la maison de notre Dieu. Amen. Parce que nous sommes les enfants de véritable Dieu. Amen. Et notre roi de Jésus de Nazareth. Celui qui était venu dans le monde, il avait donné sa vie pour que toi et moi, nous puissions sauver. Alléluia. Amen. Ce que j'aime en Jésus, vous savez, le jour où Jésus-Christ était arrêté pour être crucifié, les soldats sont venus, ils sont venus auprès de Jésus. Jésus était avec les disciples. Et Jésus, il vient, il demande aux soldats, qui cherchez-vous? La seule question de Jésus avait fait tomber tous les soldats par terre. La seule question de Jésus avait fait tomber tous les soldats par terre. Et si Jésus voulait s'enfuir, il partait. Il s'échappait. Mais Jésus avait vu. Non. Dans le monde, il y a pasteur Michel qui va être là. Amen. Dans le monde, non. Il y a soeur Rosa qui va être là. Amen. Dans le monde, il y a pasteur Stevie qui va être là. Amen. Il faut que je me donne. Amen. Ici, amen. Afin que toi et moi, que nous puissions avoir sa grâce. Amen. Et dans sa grâce, nous sommes la tête et non la queue. Amen. Dans sa grâce, nous sommes la tête et non la queue. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant prodige, il est rentré en lui-même. Il s'est dit, il faut que je reparle auprès de mon père. En revenant auprès de son père, l'enfant était revenu. L'enfant était revenu. Bien-aimé, le père de cet enfant, je nous présente notre Dieu. Le fils prodige, c'est toi et moi. Nous péchons. Il y a un moment où nous oublions que nous sommes enfants de Dieu. Et nous nous plongeons dans le péché. Et le péché nous accuse auprès de notre Dieu. Grâce soit rendu à notre Dieu. Amen. Lui qui avait envoyé son Fils unique Jésus. Alléluia. À travers Jésus, que nous puissions être pardonnés. Amen. Et que nous puissions être sauvés. Amen. Examine ta vie, bien-aimé. Ça peut être que tu viens chaque dimanche dans ce lieu, dans le culte, mais tu vis une vie en débauche. Reviens vers Dieu. Reviens vraiment vers Dieu. Amen. Reviens vers Dieu. Examine ta vie. Sois comme l'enfant prodige qui était rentré en lui-même. Il dit que non, je suis le lieu de mon père, pour que je ne veux pas. Viens à Dieu. Viens à Dieu, bien-aimé. Viens à Dieu. Quand j'avais compris que Dieu est capable de me bénir, bien-aimé, je commençais à lire la parole de Dieu.
Et un jour, mes yeux vont tomber dans le verset de Somme, du 8. J'étais immigré. Il dit, demande-moi et je te donnerai des nations pour toi. Le jour où j'avais reçu la nationalité italienne, j'avais témoigné dans mon église. Tout le monde était étonné. Comment le gouvernement italien peut obtenir une nationalité à un Africain? C'était en 2004. C'était rare à l'époque. Actuellement, on peut avoir une nationalité. Mais avant, autour de Berlusconi, parce qu'on parle du racisme, l'Italie était parmi les pays dans l'Europe qui sont des vrais racistes. Donc, ce n'était pas facile pour moi pour obtenir la nationalité italienne. Et par la grâce de Dieu, j'avais obtenu cela et je vis en France comme étant un citoyen européen. Par la grâce de Dieu. Par la grâce, je dis bien par la grâce de Dieu. Amen. Et Jésus-Christ, il dit, demandez, il vous sera donné. On ne reçoit pas parce qu'on demande le mal. On demande pour nous faire, pour nous satisfaire. Mais si tu demandes réellement avec un cœur d'un enfant de Dieu, Dieu lui voit tout. Dieu voit tout. Et il est prêt pour nous bénir. Amen. Pourquoi il y a des églises? Pourquoi il y a des églises? Les églises, ce n'est pas des bâtiments que nous contemplons. La vraie église, c'est l'enfant de Dieu qui est pur, qui croit en Jésus, qui croit au nom de Dieu Tout-Puissant. Et Dieu est capable en toute chose. Il est le maître de toutes les circonstances. Il est le véritable Dieu. Si tu brises ton cœur, tu rentres en toi-même, tu examines la grandeur de Dieu. Jésus est plus grand que Macron. Yes. Jésus est plus puissant que Macron. Macron va passer un jour, mais Jésus, il va rester comme ton Dieu Tout-Puissant. Amen. Avant Macron, il avait Sarkozy. On ne parle plus de Sarkozy. Mais quand Sarkozy était au pouvoir, le nom de Jésus est toujours glorifié. Amen. Il y avait Mitterrand, les Mitterrands sont passés. Il y avait Jacques Chirac, il est passé. Mais Jésus est resté toujours. Macron va passer, mais Jésus-Christ, il restera toujours le Dieu Tout-Puissant, le Dieu incomparable, le roi de rois, le prince de paix, Jéhovah, Elohim, El Shaddai. Il est Dieu et nous sommes ses enfants. Amen. Nous sommes ses enfants. Amen. Tu es une princesse, tu es un prince. Dieu c'est notre Père. Il est notre Père. Voilà pourquoi quand les disciples ont demandé à Jésus, prends-nous à prier. Jésus va leur dire, quand vous allez prier, comme vous allez dire, notre Père, qui est Jésus, notre Père. Dieu c'est ton Père. Parce que tu as accepté Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Et il nous a vaccinés par le Saint-Esprit qui possède en nous la marque du Christ, le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui emploie, c'est le vaccin spirituel qui nous donne l'identité spirituelle en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Et nous avons cet esprit-là. Parce que Dieu nous a aimés. Il a envoyé Jésus dans le monde afin que quiconque croit en nous ne perde pas,
mais qu'il ait la vie. Amen. Le Fils prodige et rentre, il exprime sa vie. Faut que je vous parle auprès de Dieu. Sans pourquoi il aime que tu as vu ces Dieu. Reviens vers Dieu. Reviens vers Dieu. Dieu t'attend. Dieu nous attend quelque part. Tu peux te loin de Dieu, tu es loin de lui, mais rien d'excellent qui va arriver dans lui. Il n'y aura que de la négativité. Il n'y aura que de pleurs. Tu vas te poser de mille questions. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je ne pars pas de l'avant? Quand on église Dieu, il y a de l'obscurité. Et le diable vient et t'embrasse. Et quand le diable t'embrasse, il te bénit par la main gauche. Il préserve sa main droite pour te frapper. Mais comment toujours nous bénir, il nous bénit par sa main. Sa main du sang. Alléluia. Amen. Dieu est formidable. Amen. Alléluia. Dieu est formidable. Et c'est merveilleux aussi pour nous être appelés enfants de Dieu. Moi, je me réjouis. Et je le retrouve parce que je suis appelé un enfant de Dieu. Il y a un mois passé, ma mère était sérieusement malade au Congo. On m'a appelé. Ma mère ne parlait plus. Même pour se laver. Elle avait perdu la force. Elle avait des gens qui la menaient pour se laver. Mais comment on m'avait appelé, on va faire l'appel en Zoom ou en WhatsApp. Je voyais ma mère. Je dis à ma mère, je vais prier. J'avais prié pour ma mère. Et le lendemain après ma prière, ma mère s'est levée. Elle commençait à parler. Elle commençait à dire qu'elle l'avait aimée. Elle avait eu la force. Et au moment là où je vous parle, ma mère est devenue en parfaite conscience. Amen. À cause de Jésus, nous avons un pouvoir. Dans Marc 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Yes. Il imposera les mains aux malades. Et les malades sont morts. Alléluia. Amen. Parce que nous possédons un nom qui est plus puissant. Un nom glorieux. Amen. Et tu as un nom là en toi. Amen. Nous avons ce nom-là. Dieu, par son amour, il nous aime. Il a envoyé Christ dans le monde. Le monde, c'est toi, bien-aimé. Le monde, c'est toi. Le monde, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Amérique, mais c'est toi. Mais quand tu acceptes Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. Et tu vas posséder une identité spirituelle. En Christ, d'être appelé enfant de Dieu. Tu as reçu une bénédiction. Tu t'es éloigné de Dieu. Examine ta vie. Examine ta vie, bien-aimé. Examine ta vie. Tu vis dans l'échec. Examine ta vie. L'enfant prodige, il avait examiné sa vie. Il était rentré en lui-même. Il a dit, il faut que je le parle auprès de mon père. Et quand il était revenu pour son père, l'enfant a été bien reçu. Il était béni. Mais je pense qu'à le départ, il y avait que l'échec. Mais quand Dieu avait touché le cœur de David, je pense qu'il était rentré dans le palais royal. Et il commençait à manger avec le roi. Bien aimé, vous savez, quand le roi mange, il y a tout. Il y a l'entrée, il y a sortie, il y a la table, il y a plein de nourriture. Parce que Mephibosheth était revenu encore auprès du roi. Et il était rentré dans le palais royal. Et il était grandement béni. C'est alors que David va obtenir encore un dire que Diba puisse être le serviteur de Mephibosheth. Et le roi David avait donné à Mephibosheth tous les biens de Saoul. L'argent, les veaux, la terre.
Et il faut dire qu'il y a un grand riche à Jérusalem. Parce que Dieu avait touché le cœur du roi David. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Examine ta vie. Viens vers le Seigneur Jésus. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend, le Seigneur de gloire. Il va te bénir. Et tu vas vivre encore avec Dieu dans la protection. Tu vas être béni. Parce qu'il n'y a que lui qui peut le bénir. Il ne pourra jamais donner la vie. Amen. Celui qui donne la vie, il s'appelle Jésus. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Le prince de paix. Le Dieu est compris. Amen. Je suis arrivé à la fin de mon message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.